dire que c'est une problématique essentielle, elle est très très importante, mais le problème vient du fait que le Cameroun, certains ministres ont choisi de s'approprier le pays à eux tout seuls. Parce que nous ne comprenons pas comment pour importer du riz, il faut avoir des documents spéciaux. Quand ils vont acheter le riz à l'international, ils se constituent en une centrale d'achat. Ils négocient le prix du riz au minimum 115 francs, 110 francs le kilo de riz. Ils l'importent en payant le transport, mais avec toutes les exonérations possibles. Et ils viennent le vendre à 800 francs le kilo aux Camerounais. C'est de la méchanceté. C'est des criminels, ces importateurs. On doit les arrêter et les mettre en prison. C'est des criminels. C'est des gens qui veulent que le pays aille en vrille. C'est des gens qui veulent voir les Camerounais rentrer dans la rue parce qu'ils ont faim. Mais voilà le problème. En fait, pour régler ce problème, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est enlever les autorisations d'importation à tous ces gens, à tous ces bandits-là, à tous ces voleurs, à tous ces criminels et créer une société d'importation, une société d'approvisionnement en produits essentiels et produits de grande consommation au Cameroun. Une entreprise qui sera donc gérée de manière à ce que l'État lui-même soit capable d'aller chercher du riz. Pourquoi on va en Chine? Pourquoi est-ce qu'on va en Inde? On peut aller au Mali, on peut aller au Burkina qui produisent du riz.